Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici les titres de ce lundi 17 juillet. La délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Martinique, dans le cadre de ses actions d'aller vers et de proximité, lance sa caravane du Sud. À l'occasion du CIOM, le comité interministériel des Outre-mer, la CTM va demander à ceux que soient domiciliés dans les régions ultra-périphériques un certain nombre de pouvoirs qui relèvent jusqu'ici du seul pouvoir de l'État. Actuellement, l'industrie textile est le cinquième secteur d'activité le plus polluant au monde. Notre question sondage, faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies? Et le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la recherche de l'autonomie énergétique, suite et fin. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la banane a de nombreux bienfaits, source de fibres alimentaires, elle améliore le transit intestinal. Les fibres augmentent le volume des sels et en modifient la consistance. Elle est donc utile au bon fonctionnement de l'intestin afin d'éviter constipation et diarrhée. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air en Martinique aujourd'hui est bonne. Ce 52e tour cycliste de la Martinique a été un bon cru pour la Martinique. 4 victoires d'étape et la victoire finale. C'est en effet Eddy Michel Cadet-Mart qui a remporté ce tour. Il fait partie du club Madinina Bikers. On parle beaucoup du vainqueur du Tour cycliste de Martinique. On parle beaucoup moins du second. Il s'agit de Diego Soraka Cabezas, un Colombien qui évolue dans l'équipe de la pédale pilotine, celui-là même qui a gagné le Tour l'année dernière et dont la présence a fait polémique cette année. On s'en souvient. Il est évident que s'il avait gagné le Tour, les commentaires auraient été bon train et que la polémique sur la présence de coureurs étrangers dans les équipes martiniquaises se serait développée de plus belle, au point que certains se demandent si ce n'est pas volontairement que Soraka Cabezas n'a pas gagné ce Tour. La délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Martinique, dans le cadre de ses actions d'aller vers et de proximité, lance sa caravane du Sud. Son premier arrêt s'est fait aujourd'hui 17 juillet aux Trois-Îlets. Pour cette première étape, en partenariat avec la ville des Trois-Îlets et son CCAS, la Croix-Rouge a accueilli dans son village la population de 8h30 à 12h30 sur la place Gabriel Ayotte en face de l'église. Ce sont plus de 30 bénévoles et salariés qui animent les stands du village. Rappelons que la Croix-Rouge française agit avant, pendant et après les crises et les détresses individuelles. Elle peut l'appliquer toute l'année grâce à ses volontaires, bénévoles et salariés, ses 7 principes, sur un socle composé de 3 piliers, prévenir et éduquer, protéger, relevé en rétablissant le lien social. Le maire de la ville du Lamentin organise une conférence débat sur le thème « Construisons l'avenir de l'agriculture vers l'agroécologie, l'autonomie alimentaire de la Martinique par l'agroécologie » le mercredi 19 juillet à 18h dans le hall de l'hôtel de ville. Cette réunion publique sera animée par Nicaise Monrose, conseiller exécutif en charge de l'agriculture et de l'alimentation à la collectivité territoriale de Martinique et président du PARM, pôle agro-ressources et de recherche de Martinique. À l'occasion du CIOM, le comité interministériel des Outre-mer, la CTM va demander à ceux que soient domiciliés dans les régions ultra-périphériques un certain nombre de pouvoirs qui relèvent jusqu'ici du seul pouvoir de l'État.
Par exemple, elle sollicite de pouvoir délivrer des visas économiques aux sociétés qui souhaitent investir sur notre territoire. Elle réclame également de pouvoir gérer seule le Poseidon, c'est-à-dire les fonds que l'Europe et la France mettent à la disposition des régions ultra-périphériques pour développer leur agriculture. La CTM souhaite également se voir attribuer les pouvoirs de la SAFER, en particulier son droit de préemption sur toutes les terres agricoles qui se vendent sur le territoire. La CTM va demander également au gouvernement de lui attribuer la gouvernance du Grand Port. On sait que son candidat aux élections pour la présidence du Grand Port, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a été récemment battu par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Main, Philippe Djok. Le journal Le Monde, qui a la réputation d'être un journal sérieux, affirme que des dissensions existent entre Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, auprès du ministre de l'Intérieur et précisément le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le quotidien affirme également que M. Carenco a commis un certain nombre d'erreurs, autant de choses qui font penser qu'il ne restera plus guère longtemps au gouvernement. Et nous avons reçu de l'UPLG, l'Union pour la libération de la Guadeloupe, un long communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci: non à la répression antisyndicale, pas manier d'Omota. Libération immédiate des grands frères. Depuis plus d'une année, un certain nombre de Guadeloupéens, les grands frères, croupissent dans les geôles françaises pour les suspicions de préparation de coups contre l'ordre public. Ils sont toujours en prison sans jugement parce que la justice française cherche encore des éléments à leur reprocher. C'est ce que le pouvoir colonial a trouvé pour discréditer le mouvement de contestation qui a embrasé la Guadeloupe en novembre 2021. Le dénigrement et le mépris exprimés par un avocat de la défense d'un emprisonné contre les dirigeants syndicaux et Élie Domota en particulier ne servent pas la cause guadeloupéenne et ne feront pas avancer le dossier de son client. L'UPLG appelle l'ensemble du peuple guadeloupéen à s'opposer à toute cette campagne antisyndicale. La situation que vit la Guadeloupe et les conséquences que nous subissons sont créées par le système en place. Nous ne pouvons en sortir que si nous sommes unis et solidaires. Libération et fin des poursuites contre les grands frères. Unité et solidarité, fin de citation. Et c'est signé UPLG, l'Union pour la libération de la Guadeloupe. 7 Français sur 10 sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les émeutiers. L'excuse de minorité assurée par le Code pénal stipule qu'un mineur ne pourra jamais encourir plus de la moitié de la peine d'un majeur. Le sondage précise que les femmes et les seniors sont légèrement plus enclins à vouloir protéger cette spécificité pour les mineurs. Les catégories socio-professionnelles les moins privilégiées y sont par contre les plus favorables. Jeudi soir, au Lamantin, une soixantaine de gendarmes et de policiers ont réalisé une vaste opération de contrôle des véhicules. 93 voitures ont été contrôlées et 16 infractions verbalisées. 6 véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière. Les infractions sont les suivantes: 2 personnes sous l'empire d'un état alcoolique, 2 personnes contrôlées positives aux stupéfiants, 1 interpellation pour conduite malgré une suspension de permis et défaut d'assurance, 6 défauts d'assurance, 2 défauts de mutation de carte grise, 1 défaut de ceinture, 1 défaut de contrôle technique, 1 défaut de permis. Et dans le cadre du déploiement du flamboyant des parents, la ville de Schœlcher organise des ateliers à destination des parents d'enfants de moins de 6 ans durant les mois de juillet et août. Que vous soyez parent ou ami intervenant de près ou de loin auprès d'enfants âgés de 0 à 6 ans, ces ateliers sont donc pour vous. Actuellement, l'industrie textile est le 5e secteur d'activité le plus
polluants au monde. Entre 2000 et 2014, le nombre moyen de vêtements achetés par un individu a doublé. La quantité de déchets textiles a augmenté de 40% en 30 ans, un phénomène accéléré par la fast fashion, à savoir le renouvellement très rapide des collections de vêtements peu coûteux. L'industrie textile consomme en outre beaucoup d'énergie et d'eau. On estime qu'il faut entre 7 000 et 11 000 litres d'eau pour la fabrication d'un seul jean à base de coton. Des quantités considérables d'engrais et de pesticides sont également utilisées pour faire pousser les fibres et des métaux lourds, phtalates et colorants sont nécessaires pour les transformer. Parmi les 92 mégatonnes de déchets textiles produits par an, une grande partie est brûlée ou envoyée dans les décharges. Seulement 14% de ces déchets sont réutilisés en seconde main ou recyclés pour le rembourrage de matelas et la fabrication de panneaux d'isolation. 1% est transformé en nouvelles fibres textiles. Le recyclage du textile est aujourd'hui très coûteux, pourtant il est indispensable de le développer pour des raisons écologiques évidentes. La solution serait de fabriquer à partir du textile des matériaux à haute valeur ajoutée, ce qui permettrait de compenser les coûts et de favoriser le développement de la filière. On sait déjà élaborer de nouvelles fibres à partir de vieux tissus en coton ou en viscose, mais on cherche à utiliser les déchets textiles pour créer de nouveaux matériaux à l'échelle industrielle. Ils pourraient notamment servir à l'isolation thermique et acoustique dans le bâtiment et dans le secteur du transport. Ils pourraient également être transformés en biomatériaux et être utilisés en tant que matrice contenant des médicaments ou des engrais ou pour la fabrication de pansements antibactériens. La municipalité de Rivière-Salée invite les nouveaux bacheliers de la session 2023, toutes filières confondues, à s'inscrire sur le site internet de la ville en vue de la réception qui sera donnée en leur honneur le vendredi 28 juillet. Proposé en 2022 par la Commission européenne, un projet de règlement prévoit de ramener 20% des terres et des mers dégradées de l'Union européenne à leur état d'origine d'ici à 2030. Face aux craintes exprimées par une partie de l'hémicycle sur de possibles effets néfastes pour l'agriculture et la pêche, aucune majorité n'a pu se dégager en commission parlementaire. Fait inhabituel, c'est donc le compromis récemment adopté par les 27 au Conseil qui sera soumis aux députés européens en plénière. Ces derniers voteront tout d'abord mercredi pour déterminer si une majorité se dégage en faveur d'un rejet pur et simple du texte. Dans le cas contraire, ils voteront sur les amendements proposés par les groupes politiques ou au moins 36 députés. L'association Famille Rurale de Sainte-Anne organise, dans le cadre de la caravane Sport Jeunesse, initiée par le CETOSMA, une semaine de cours de natation à l'intention des jeunes de 7 à 14 ans, d'aujourd'hui lundi 17 au vendredi 21 juillet. Les séances sont gratuites. La Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre fête cette année ses 30 ans. Ils étaient 13 à répondre à l'appel de la première édition en 1993. Ils seront 200 le 29 octobre à s'élancer du Havre pour rejoindre Fort-de-France. Ces 100 duos inscrits en classe 40, Ocean 50, IMOCA et Ultime 32-23 sont la plus belle preuve de la vitalité de la route du café, celle qui s'est imposée comme la transat en double dans le calendrier de la course au large depuis 30 ans. Créatrice du segment des cafés de pure origine, la marque Jacques Vabre débarque dans la voile de compétition en 1993 en lançant, en partenariat avec la ville du Havre, une nouvelle course à travers l'Atlantique. Ce sera la route du café qui, dès le début, a eu pour ambition de célébrer la richesse des terroirs de café ainsi que les hommes qui en prennent soin, tout en faisant rêver autour d'une aventure humaine et sportive extraordinaire,
Ce sera d'ailleurs le nom officiel de la première édition entre Le Havre et Carthagène en Colombie, deux destinations intimement liées au commerce du café et inédites en course au large. 13 marins s'élancent le 31 octobre 1993. Certains sont là pour le sport, d'autres pour l'aventure. De cette première édition initiatique, on retient bien sûr le vainqueur, Paul Vatine, qui gagne là sa première transat Jacques Vabre avant de doubler la mise en 1995 aux côtés de Roland Jourdain. En 1995 précisément, pour professionnaliser l'organisation, Jacques Vabre et la ville du Havre, qui a élu son nouveau maire Antoine Ruffenacht, font appel à Gérard Petitpas, qui débarque avec quelques idées fortes, passage du solitaire au double, maintien du parcours originel, mais point de passage à Saint-Barth pour canaliser la flotte, et maintenir le suspense dans les Caraïbes, rythme biannuel et nouveau nom. La route du café devient la Transat Jacques Vabre et ne dérogera plus jamais aux fondamentaux de 1995. De 1995 à 2023, la Transat Jacques Vabre restera toujours fidèle au Havre et s'en ira visiter de nombreuses terres de café, Carthagène, Salvador de Bahia, Itajaí, Puerto Limón et depuis 2021, Fort-de-France en Martinique. Marquée par le sceau du voyage, elle relève des destinations inconnues du grand public. À Basse-Pointe, à l'occasion de la fête de la commune, la traditionnelle parade des officiels et des associations a été particulièrement originale puisqu'elle était précédée d'une parade de véhicules de collection. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre sondage. Alors, faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies ? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies ? À mon avis, vu notre Martinique qui est moindre, je pense qu'il faut limiter le nombre de bateaux dans nos départements parce que on risque d'être submergé par beaucoup de personnes. Donc il faut limiter pour permettre que notre Martinique puisse se développer convenablement. Oui, à mon avis, il faut limiter parce que ça pollue la mer avec tous les déchets qu'on en trouve. Donc, je trouve que c'est inadmissible. En plus, ça ne rapporte rien du tout à la commune. Ce serait intéressant à ce moment-là de les faire payer des taxes pour faire quelque chose de concret à la commune. Ah ben, ça dépend. Quand moi, je vais au marin, moi, personnellement, je trouve que ça fait beau. Peut-être que ça dérange certaines personnes, mais moi personnellement, je suis content par rapport quand je vois tout ce qui se passe par rapport à la Guadeloupe, hein, parce que vu que moi j'ai la navette aussi, je trouve que c'est beau. Donc voilà quoi. Non, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas du tout. Oui, comme je disais, ça dépend de quel bateau. Si c'est des bateaux de croisière, il faudrait peut-être limiter un peu. Pour la pollution, bien sûr. Mais pour les bateaux de plaisance, bon, évidemment, c'est le tourisme, donc on ne peut pas faire autrement. Oui, ah oui, il faut limiter le nombre de bateaux, surtout dans les baies, surtout à Fort-de-France, dans la baie de Fort-de-France, surtout aux marins, surtout partout où il y a un pôle de bateaux. Parce que ces gens-là viennent, ils polluent, ils draguent le fond de la mer qui est tout près des terres. Et puis après, on vient nous parler d'écologie. Mais ces gens-là, déjà, ce sont des destructeurs. Alors donc, il faut régler ça et ce sont nos gouvernants, nos dirigeants qui doivent prendre des situations en main pour pouvoir mettre des lois, des codes, encadrer tout ça afin que nous, déjà nous en tant qu'Antillaises, Antillais dans notre île, nous puissions vivre bien et aussi eux quand ils viennent, qu'ils trouvent les endroits bien propres, bien jolis avec des structures. Voilà. Ah oui, il faut limiter absolument. Pourquoi? Mais c'est évident. Pour limiter la pollution et l'invasion du pays. Voilà. Merci. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies? Moi, je dirais oui, notamment sur la commune du Marin, où souvent on a un problème avec des mouillages sauvages. Et donc, les gens ne respectent pas les normes, quoi. Parce qu'en fait, normalement, chaque navigant doit se signaler à la baie du Marin
quand ils arrivent. Mais bon, malheureusement, on a un peu de des gens qui font n'importe quoi, qui arrivent parce qu'ils peuvent s'installer n'importe où dans la baie. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut réglementer tout ça déjà et avoir une police qui régule tout ça au niveau des affaires maritimes. Donc voilà. Non, pas spécialement. Ça dépend. Hein. S'il y a du respect, si on respecte les règlements, ça doit aller très bien, quoi. C'est du moment où chacun fait un peu ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Là, à ce moment, il y a des problèmes. Je pense qu'il faut limiter parce qu'il y a des baies qui sont vraiment saturées par le nombre de bateaux qui polluent un petit peu, surtout quand ils ne sont pas amarrés au bon endroit. Ouais. Voilà, c'est plus. Voilà. Sondage. Sondage. Faut-il limiter le nombre de bateaux dans nos baies? La question sondage. Un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question. Le savoir y réfléchir de Roland Laouché à la recherche de l'autonomie énergétique, troisième et dernière partie. Nous vous avons signalé la semaine dernière que la transition écologique est incontestablement le défi d'aujourd'hui pour tous les pays développés dans le monde. Comment, en effet, pourront-ils garder leur niveau de vie et donc leur qualité de vie avec une énergie différente de celle qui est utilisée aujourd'hui, avec ce que l'on désigne sous le vocable générique d'énergie renouvelable? La loi sur les énergies renouvelables, votée par le Sénat le 4 novembre 2022, et par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2023, et dont nous vous avons parlé, est une première réponse qui devrait permettre à la France de rattraper son retard sur les autres pays européens. Mais cette loi n'est pas sa seule initiative dans ce secteur. Soyons clairs, il est important de comprendre ce qui suit. La principale source d'énergie dans le monde est aujourd'hui le pétrole. Et il n'est produit que dans certains pays en quantité suffisante. Il en est de même pour le gaz. Lui aussi n'est produit en quantité suffisante que dans certains pays. On a beaucoup parlé de tout cela à propos de la guerre d'Ukraine. Par contre, les énergies renouvelables peuvent être partout et même dans le jardin de votre maison. Dans ce jardin, votre jardin créole, vous pouvez faire cohabiter des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes avec des ignames et des carottes. Vous produisez vous-même l'énergie que vous utilisez. C'est une révolution dont on ne prendra véritablement conscience que lorsque de grandes sociétés capitalistes auront trouvé le moyen de gagner beaucoup d'argent en commercialisant à des prix abordables des éoliennes de toute taille, des panneaux photovoltaïques, voire des appareils à produire de l'hydrogène. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il s'agit de trouver des espaces pour produire cette énergie renouvelable. Et les maîtres de l'espace en France, eh bien ce n'est pas l'État, ce sont les communes. D'où leur implication, nous vous en avons déjà parlé, dans cette transition écologique. À tel point que dans un récent rapport, la Commission des finances du Sénat préconise que soit complètement repensé le financement des collectivités en fonction de cette transition écologique. Selon ce rapport, les dotations de l'État destinées aux collectivités révèlent ce qu'il appelle un verdissement en demi-teinte. Les communes ne semblent en effet être intéressées que par la rénovation thermique des bâtiments. Les sénateurs estiment qu'elles doivent aller bien au-delà. Selon eux, les investissements d'avenir devront porter sur le bâti scolaire, les bâtiments administratifs, les locaux à usage de services publics, gymnases, bibliothèques, piscines, l'éclairage public et les systèmes de réseau, l'eau, l'eau courante, le chauffage, le traitement des déchets même, mais également les transports publics avec le développement des voies de mobilité douce, les cyclistes notamment, et l'électrification des transports en commun.
Vous avez bien entendu, l'électrification des transports en commun. Cela, bien entendu, devrait interpeller les Martiniquais qui sont nombreux à penser que le TCSP doit être étendu rapidement tant dans le sud que dans le nord Atlantique pour le moins. La préoccupation écologique interdit donc quelque part qu'on envisage cette extension avec des bus comme ceux que l'on utilise actuellement. Il faudra des moyens de transport électrifiés. Les sénateurs, dans leur rapport, parlent également de la renaturalisation des zones urbaines, c'est-à-dire de planter davantage de verdure à l'intérieur des villes. Et là, on est en plein dans les jardins, suspendus ou pas, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises pour repenser la ville de Fort-de-France. Pour réussir cette transition, les sénateurs n'hésitent pas à affirmer que l'État devrait davantage aider les communes dans ce domaine, même s'il le fait déjà dans des proportions non négligeables. En tout cas, concernant la Martinique, il sera intéressant de voir si cette inévitable transition écologique a su s'inscrire dans les priorités de nos élus. On le saura bientôt, puisque le Congrès des élus de Martinique va se réunir en plénière le 26 de ce mois de juillet, après plusieurs mois d'enquête et de réflexion, que l'on dit intense. Après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé nous parle de croûte de lait. Les croûtes de lait bien connues chez les bébés sont une dermite séboréique, c'est-à-dire une production excessive de sébum et une inflammation de la peau. On voit apparaître sur le crâne des bébés des croûtes à consistance cireuse, de couleur blanchâtre ou jaunâtre, qui disparaissent quand on les gratte. En dessous de la peau est parfois rouge. La dermite séboréique n'a rien à voir avec le lait en réalité. Si l'on parle de croûte de lait, c'est uniquement à cause de leur aspect qui fait penser à la peau qui se forme dans une casserole de lait chaud. Commençons par dire que pour pratiquement tous les bébés, les croûtes de lait finissent par disparaître d'elles-mêmes. Il est rare qu'elles se maintiennent au-delà d'un an. Ne rien faire est donc une option tout à fait acceptable. Cependant, les croûtes de lait ont des inconvénients. Elles sont inesthétiques, parfois gênantes pour les parents, et il est difficile de les nettoyer correctement. Certains parents se plaignent d'odeurs désagréables, d'autres trouvent leur aspect choquant. Il est possible d'en débarrasser les bébés avec des solutions simples. Des shampoings pour bébés sont disponibles en pharmacie, et pour ramollir les croûtes de lait avant le shampoing, recouvrez-les d'un produit gras, vaseline ou liminant. Et juste après votre shampoing, frottez doucement les zones touchées avec une serviette. Attention, la peau des bébés est très fragile, et toute coupure entraîne un risque d'infection. Il ne faut jamais gratter les croûtes de lait avec ses ongles ou quelque instrument que ce soit. Cependant, il ne faut pas utiliser de shampoing médicalisé sans avis médical. Donc, abordez le sujet avec votre pédiatre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Marie-Flore Rosa, Alain Jean-Paul, Waya, Pierre Laouché-Vitz, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25 en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues, ISFR en France et également sur notre site kmttelevision.fr. Passez une bonne soirée, bonne semaine et que Dieu garde la Martinique.